Rire d'entreprise. C'est pas vrai ! À plusieurs reprises ! Bienvenue dans le 7e volet de cette émission. Le Fat Show, c'est 26 minutes de bonheur dans un décor atypique. Alors ici, vous trouverez des sous-titres de qualité. Et des effets spéciaux hyper bien pensés. Alors n'hésitez pas ! Jouez de la flûte ! Choisissez bien. Choisissez but. En France, il y a les génies de l'improvisation. Je m'appelle Étienne Blé, j'ai 32 ans, je suis sardine à Nice. Et encore un métier méconnu, qu'est-ce qu'un sardine? C'est comme un maquereau, mais en moins bien. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, parfois. Et il y a les autres. Ah, une blague, c'est l'histoire du type qui a 5 quéquettes. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, je suis choqué, je parle. Son slip lui va comme un gant. Et c'est en tant que fidèle élève de la Ligue d'improvisation des jeunes Français un peu musclés et un peu gros à la fois que je suis fier de vous présenter cette vidéo. Caméra tourne. Action. Pardon. C'est mon doigt. Action. Non, tu fais pas de... C'est parce que je n'ai pas été entraîné. Faites revenir les endives, puis placez-les dans le plat l'une à côté de l'autre. Recouvrez de béchamel. Ouvrez le four. Fermez le four. Faites cuire thermostat 7 pendant une demi-heure. Puis défournez. Sentez. Humez. Humez. Cela est prêt. Déguster. Il a dit déguster, t'as vu ça. Bravo Perpignan, c'était délicieux. Je suis très fier de toi. Ne me refais jamais ça! Sinon tu meurs! Je te ressuscite et je te tue après! Elvira, tu te lèves? McFly. Elvira, évidemment, je te donne tes... thématique. Oui, évidemment. Tu es dans un cirque, tu es angoissé, tu n'aimes pas cet environnement, tu n'en peux plus, mais la femme de ta vie, et là c'est la femme à barbe, tu exultes, tu l'aimes, tu vas à sa rencontre. Voici tes contraintes. C'est ça. Physiquement, tu possèdes une jambe en mousse, labialement, tu parles en inspirant. Et summum de l'absolution de tout, il te reste seulement 15 secondes à vivre. Elvira, on t'écoute, des applaudissements. Peut-être applaudir à l'envers. Lil Wayne, c'est à toi. Je vous ai toujours aimé, Barbara. Donne-moi ce que je ne saurais accepter en mon âme et confie en ce Barbara. Super. Bravo. Je sais que c'est le moment de l'émission que vous préférez car il y a cette fille, Marina, la belle Marina qui d'ailleurs, va dans la... à ce propos, c'est l'anniversaire du fils de Marina samedi prochain. Je ne viendrai pas car je déteste les saucisses cocktails. Je sais que tu adores, je t'ai prévu un cadeau car je sais que tu n'aurais pas de cadeau. Je parle très vite, je suis très doué. Ah ouais, furie, il est très fort. Puis c'est trop mignon d'avoir pensé à ça, elle va être trop contente. Bah oui, ça c'est clair, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mamma, mi piace mangiare, mangiare la pizza, la lasagna, mangiare le pasta, ho mangiato tutto, voglio mangiare sempre. Andiamo a parlare di mangiare. Signore, che preferisci mangiare? Les moules. Les moules? Les endives au jambon. Et vous, vous cuisinez à la maison? Pas du tout. Qui cuisine? Personne. Vous? Au restaurant. Tous les jours? Presque. Bah, j'aime pas ces épinards. Oh, moi aussi, j'y gerbe ça. Là, tout de suite, c'est imminent, hein. Ça rentre, ça sort. Mon plat préféré? Oui. Les endives au jambon. Des champignons. Gratin de pommes de terre. C'est quoi le pire plat que vous ayez mangé? Oula, effectivement c'était des raviolis. Vous cuisinez vous les filles? Bah non, étudiante on fait ouais, c'est standard et puis voilà. Le rouge est barbé. Ah, tu vas pas nous faire un master chef?
Ah non, pas du tout. Et vous le cuisinez, ça? Ah non, je le fais cuisiner. Vous avez juste à imaginer, j'arrive chez quelqu'un, il me sert à bouffer, et ce gland, il m'a fait un gratin de courge. Alors, le pire, c'était du camembert frit. Ah, une horreur. S'il vous plaît, vous êtes trop beau, répondez-moi. Allez, s'il te plaît. Quel est votre plat préféré? Des pâtes. Vous mettez du parmesan ou du gruyère dessus? Des pâtes. Quel est le pire repas que tu aies mangé? Les endives au jambon. Des épinards. Épinards. Qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez rien? Ça suffit, ce régime à la Nicole Richie, hein? Et madame, est-ce que vous avez une anecdote à me raconter d'un repas que vous avez mangé qui était tellement dégueulasse? Et je me suis retrouvée à manger du serpent. Dégueulasse. Je crois qu'un jour on a essayé de me faire manger du cheval et j'ai vomi après quand on m'a dit que c'était du cheval. Monsieur? Bonjour. Je vais. Qu'est-ce que je te mets alors? Je savais pas. On m'a dit c'est un steak normal, je trouvais qu'il avait un drôle de goût, mais bon, j'ai mangé avec confiance. Après, on m'a dit que c'était du cheval. Donc, bonjour messieurs, dames, les Français et les Françaises. J'avais un hôtel tout pourri, 650 euros par mois, 7 mètres carrés. Et quel est votre plat préféré? Alors moi, mon plat préféré, c'est le bourguignon. Entrecôte frites. Des lasagnes? Ah, comme moi, ma copine, moi aussi j'adore les lasagnes. Quel est le pire repas que vous ayez mangé? Couscous. Dégueulasse? J'aime pas les arabes. En Chine, cuisine japonaise. Les enfants, quel est votre plat préféré? Les spaghettis bolognaise. Qu'est-ce que vous détestez le plus? Des légumes. Oui, mais c'est important les légumes quand même. Les enfants, quel est votre plat préféré? La pizza margherita. Ah, c'est bon ça, et toi? Les spaghettis carbonara. Sushi maki. Ravioli. Hamburger. Cordon bleu et des pommes noisettes. Moi, c'est les poivrons que j'aime pas. Et moi, c'est les haricots verts de ma grand-mère. Chou de Bruxelles. Oh, c'est dégueulasse. Ça pue en plus. Oh là là. Moi, je déteste le poisson pourri de la cantine. C'est une salade de pommes de terre avec du foie de volaille. Et en dessert, on a un gâteau à la noisette. Bon appétit. Les endives au jambon. Les endives au jambon. Les endives au jambon. Voulais que tu portes mon nom, qu'on sait ma note. Façon, c'était ce qu'on s'était donné. À l'amour, à la vie. Merci! Je l'ai cherché, j'ai retrouvé! Je t'aime! Tu me passes une pile, s'il te plaît? Bien sûr. Tout? Acmé, 13 ans d'existence. Vince, le chanteur, est là avec nous, on est très heureux. Est-ce qu'il y a encore des fans du début qui sont là au concert? Alors, on a eu la preuve il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on a fait une énorme date, bien sold out comme il faut. Donc à l'entrepôt à Arlon, en Belgique, où tu peux remarquer, en même temps sur toute la tournée c'était pareil, qu'il y a des gens qui suivent depuis longtemps, parce que quand on fait des titres comme Pornographie, comme Superstar, tout ça, ça réagit au quart de tour, c'est le bordel et tout ça quoi. Faisons un petit point sur le rock metal français aujourd'hui, parce que là tu parlais de date sold out justement en Belgique, c'est quand même assez rare aujourd'hui, non? Ouais, c'est carrément très rare. C'est chaud pour la scène rock. Ça dépend, non? Enfin, il y a certains groupes qui arrivent à remplir énormément. Ouais, Gojira quoi. Gojira, non, t'as Masteria qui se débrouille très bien. Après, nous on n'a pas trop de retours sur les autres groupes, on connaît les masses, donc on se parle, on sait quoi. Donc dernier album, il est sorti il y a quelques mois. L'album, il est sorti donc en avril dernier 2012. C'est ça. Là où donc Thomas... participer en studio mais n'a pas fait la tournée derrière. Alors stop, il faut qu'on en parle, il faut qu'on réexplique ça pour ceux qui n'ont pas suivi. Thomas qui était le chanteur originel d'Acmé depuis les débuts. 1m92, 100 kilos. Voilà. Qui s'est barré juste après l'enregistrement de votre dernier album. Voilà. Donc il l'a pas défendu sur scène. Non, pas du tout. Il a fait quelques chansons avant de rentrer en studio, de ce que j'ai compris. Mais sinon, non, la tournée Épitaphe, Dominion Épitaphe, c'est moi qui l'ai faite. C'est toi qui l'as faite? Ouais. Bon, alors, premièrement déjà, est-ce que ça était chaud de chanter à sa place? Parce qu'il avait une façon de chanter assez particulière. Ouais. Comment t'as pris le flambeau? Alors, je t'avoue, donc déjà, quand ça a commencé au début, on m'a dit ce que ça te dirait de venir chanter dans Acmé. J'ai fait, ouais, ça peut être cool. Après, on m'a envoyé l'album, donc Épitaphe, Dominion Épitaphe. Là, j'ai pris peur. Oui. Pourquoi? J'ai fait, mec, en fait, il gueule, mais un truc de ouf. Mec, moi, j'en pouvais plus, ça. Oh, j'adore.
Ah putain, ça va être énorme, putain, c'est dur. Ah ouais, d'accord, c'était dur. Ouais, d'accord, gros niveau. Bien entraîné tout seul, et puis on a fait l'audition, j'ai fait 8 morceaux, et puis. Est-ce que t'es en froid avec Thomas, justement? Comment ça se passe? Franchement, on est froid dans cette émission, je veux pas le violon, est-ce que c'est chaud avec lui ou pas? Bah mec, on s'est échangé quelques mails au début où je suis entré en acmé, où il me disait bah merci d'avoir pris le flambeau, en gros, ou j'espère que ça va le faire tout ça, mais sinon on se connaît pas. Ouais. Mon frère le connaît, moi je le connais pas. Voilà. Donc on sait pas. On te fait des coucous quand même. Salut. Il faut que tu saches que ce serait très plaisant pour nous de t'écouter en live, parce que tu cries certes très bien, mais tu chantes aussi parfaitement génialement. Oui. C'est moi qui chante bien en live. Oh putain, mais fonce, fais-nous rêver. Non ouais, un petit acoustique. Acmé en live dans le Fat Show avec une chanson tirée de leur dernier album, Épithète, Dominion, Épitaphe, disponible absolument partout. Et comme disait Steve Jobs, mon style préféré, le néo-death post-core Black Viking Metal, évidemment. Pff, incroyable. Admirez les imperdus, celles qui sauvent ta vie et en profitent, leur vie dédiée à s'immoler pour effleurer la félicité. Peu importe quoi savoir et quoi penser, quand le temps s'est inversé, peu importe qui sera noyé dans ce sinistre océan. Pourquoi en rester là? Rares sont ceux dont l'existence subsiste, seulement blessés, tellement blessés. Peu importe quoi savoir et quoi penser, quand le temps s'est inversé, peu importe qui sera noyé dans ce sinistre océan. Pourquoi en rester là? Malheur pour certains, souvenirs pour d'autres. Ivres de joie, ils s'embrassent. Malheur pour certains, souvenirs pour d'autres. Ivres de joie, ils sauront pourquoi. On est avec Vincent, chanteur d'Acmé. T'as une particularité, il paraît que tu sais concocter des chansons à partir d'un simple mot. Ouais. Je vais t'en lancer un mot, je vais te dire hot dog. C'est un hot dog qui descend de la montagne. J'ai pas été bon là. Tu peux essayer aussi? Ouais. Ouais. Vatican. Vatican, oh toi, pape qui est parti du Vatican.
Y'a rien. Y'a rien. Il a donne-moi un câble électrique, je vais me suicider. Vince, mon cher Vince, Acme, vous n'avez jamais joué au Hellfest? Qu'est-ce qui se passe? Putain, mec, Moi, je me suis dit, tu sais quoi, il y a un an, je suis rentré en Acme, je fais déjà des gros concerts, je vais me faire ces putains d'énormes festivals d'été, tu sais, genre le Hellfest ou le Sony Sphere ou... Hellfest, est-ce que tu boudes Acme? Chope Acme, mec. Mais t'aimes. Mais qu'est-ce que tu fous? Aide-nous, fais-nous chaud chez toi. Même à midi, pour réveiller les campeurs, nous serons là. Merde, toi! Mais là, tu penses qu'il y a des gens qui sont encore restés sur la période un peu où c'était un peu plus calme, où il y avait un peu de chine? Je pense qu'il y a des gens qui croient que Acme fait encore du Indochine. Hein. Faut se réveiller là, hein. On crie en fait tout le temps. En tout cas, en live, ça dégomme quoi. Je sais pas, tu sais, moi je veux pas prendre la grosse tête, mais je sais pas, les gens réagissent quoi. Donc, c'est quoi votre meilleur, enfin ton meilleur en l'occurrence, souvenir de live avec Acme? Alors, premier, vraiment, mon premier concert inoubliable, hein, carrément j'avais la trouille. Ouais. Tu tremblais, tu sais? Non, j'étais bourré donc. Ah ouais, c'est un bon moyen également. La meilleure technique du monde, oublie tout. Et donc. sinon, le plus beau souvenir, le premier plus beau souvenir avec Acme, c'était à Sequedin, où c'était vers Lille. C'est que d'un, tu ne le rediras plus jamais, s'il te plaît. D'accord, c'est un dernier. À Lille. Donc, gros plateau, 800 personnes, une ambiance, mais de ouf malade. Et voilà, quoi. Il y avait du slam, les gens chantaient. Moi, j'étais dans le grand public, je faisais marre de chanter, c'est de la merde. Et les gens chantaient, quoi. Voilà, un vrai concert, pur concert de partage. Venez nombreux. Il faut qu'on fasse un petit état des lieux. Ouais. On a envie de savoir, d'avoir ton avis sur les choses suivantes. Est-ce que t'as grossi? T'as un peu grossi de toute manière. J'ai grossi au début de tournée avec Acme parce que je buvais beaucoup d'alcool. Ah. Mais là maintenant je vais au sport 3 fois par semaine. Attention, je cours, je fais du vélo et je fais des abdos. Tu fais de la Zumba ou pas? Est-ce que tu fais de la Zumba? C'est ma question. De la Zumba? Ouais. Bah, ma copine est antillaise donc je fais de la Zumba, ouais. Mec, il y a un fan d'Acme qui est narcoleptique. C'est vrai? Ouais, il vient au concert, il fait ouais. Non mec. Bah je te jure. Le fan narcoleptique. Ah ouais. J'adore ton scu. Sombre. Vous êtes en préparation d'un nouvel album? Ouais, donc là on prépare le prochain album. Entre toutes les dates de la tournée, on répète quand même. Donc là on a une dizaine de titres qui sont quasi prêts. Et est-ce qu'il y a une différence musicale? Est-ce que ça a encore évolué avec Acme? Je pense que, bon, on s'en rend pas compte, mais moi je veux dire, il est beaucoup moins rapide que Epitaph, Dominion, Epitaph. D'accord. Et vraiment, il sera vraiment très lourd. C'est un album très lourd et on se dirige encore vers une musique encore plus adulte. L'album de la maturité. L'album de la maturité. J'ai 28 ans. Ouais. Cette barbe, tu l'as acheté où? Cette barbe, j'ai acheté à Barbès, mec. J'ai vu que tu l'as touché depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ce que dedans, il y a des odeurs d'hier soir que j'adore. Oh, j'ai l'impression de faire un cunis. Je suis désolé, ça m'a fait vraiment penser à ça. Est-ce que tu peux nous parler du Disorder Tour? Disorder Tour, ça va débuter en avril. Avec un gros plateau métal français, Hetz, Black Bombay, enfin Black Moi pour ceux qui connaissent pas le raccourci, sûrement la Outblast et puis Acme. Au nom de quoi Patrick Sébastien n'est pas invité dans ce plateau? On est beaucoup trop fan, on risquerait de lui faire mal. Est-ce que tu peux dire 5 fois de suite, panier piano? Panier piano, panier piano, et non. C'est quand la dernière fois que t'as pris de la drogue? C'était tout à l'heure avec vous. Tu préfères avoir le flow de Damien 16 ou l'embonpoint de Chimène Badi? Aucun des deux, parce que je suis raciste. Qu'est-ce que tu réponds à un mec qui te dit le métal? Oh, c'est du bruit, quoi. Qui a pas d'oreille. J'ai vraiment très faim, là. Qu'est-ce que tu peux me préparer? Mes fesses. Doliprane ou Aspigique? Les deux ensemble. Est-ce que, comme Justin Bieber, tu as déjà vomi sur scène? Oui, non, derrière, devant, mais pas dessus. C'est quand ta première cuite? C'était quand j'avais 2 ans. C'était quand ta dernière cuite? C'était tout à l'heure. Tu nous fais une chanson d'Acme en acapella? Je n'ai rien gardé en toi, bon! Est-ce que je peux mettre mon doigt dans ton oreille? Tout à fait. Et moi aussi? Ah ouais. Bravo à celui ou celle d'entre vous qui a gagné cette sublime Bass Fender! Ton nom, et c'est génial, s'inscrit en bas de ton écran! Bravo! Et pour tous les autres, il y a encore cette Jazzmaster à gagner! Il suffit de nous envoyer une photo de vous avec un plat en guise de couvre-chef. Vous nous envoyez ça sur notre mail qui s'inscrit là au-dessus, là. Nous, on choisit les meilleurs et on les publie sur notre Facebook! Eh oui, le Facebook du Fat Show, donc rendez-vous sur notre Facebook! Non!
Ok, celui qui fait le moins de jonc doit danser en slip devant un groupe de métal. Je tiens le pari, mon pote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, comme as. Tu sais pas à qui tu parles. Vas-y. On va tout de suite se regarder un petit sketch. Bonjour Carlito. On s'en fout de ton bonjour, c'est de la courtoisie de merde. J'ai fait une découverte incroyable et je veux la partager avec toi. Je ne me rappelle pas qu'on se tutoyait. Ah, on se demandait tous où était parti le cerveau de Evangélie. On le croyait envolé sur une autre planète, n'est-ce pas? Continuez. Eh bien, ne bouge pas. C'est incroyable. Le voici. Très intéressant, en effet. Mais ça ne change rien au fait qu'on vous trouve pas de travail. Qui les rabat-joie, ce Valvulve? Comme d'habitude, je vous ai dégoté quelque chose. C'est un travail qui réveillera votre côté artistique. Et précisément, votre côté artistique. Dites-moi tout, conseiller. Le job de rêve que je vous propose, c'est celui de peintre. Mais ça va pas du tout, j'étais une brêle en art plastique, j'avais régulièrement des deux. Là, c'est différent. C'est peintre paparazzi. À la fois peintre et paparazzi. Mais comment je suis censé faire les deux là? Bon courage. Qu'est-ce qu'elle fout, putain? L'info, c'était 17h30, l'info. 17h30? Ah bon? L'année dernière, ouais. Son hôtel à Malibu. Ouais. Deux mois d'attente. Deux mois d'attente, sérieux? C'est beaucoup, deux mois. Deux mois, c'est beaucoup. Ouais, mec, vous inquiétez pas. Parce que celui qui a la une de match, c'est un billet de 30 000 qui prend large. Le closer, on m'a dit la même, 30 000. 30 000? Bien sûr, celui. T'inquiète, il y a de la place pour tout le monde. Angelina, 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 un petit sourire, Angelina, un petit sourire, voilà, t'es bien là, Angie. Oh putain, voilà. J'ai eu qu'un coude, ça fait fou. J'ai un coude. Moi j'en ai une bien, moi. Ah, j'ai oublié d'allumer l'appareil photo. Belli, Sima. Pas mal. J'ai reçu le CV de Tex, il est super chaud pour remplacer Schneider dans l'émission. Cool, mais il a quoi comme argument? Je suis chargé de planning. Vous êtes chargé de planning? Et c'est lourd? Ah. Non, mais c'est naze. Grave. Schneider, tu nous reçois? Ouais, les gars, je vous reçois 5 sur 5. Juste, je vous préviens, Alain Bernard, il peut aller ranger son slibard. Hein. C'est ton heure de gloire, poteau. C'est l'histoire d'un mec qui arrive au chiotte, et là, il voit à côté de lui un mec qui pisse de jet. Il lui dit, mais comment ça se fait que tu pisses de jet, mec? Et l'autre lui dit, blessure de guerre. Alors, il retourne une deuxième fois au chiotte, et là, il voit un mec qui pisse 3 jets. Il lui dit, mais mec, comment ça se fait que tu pisses 3 jets? L'autre lui dit, bah, une blessure de guerre de 1939, mec. Il arrive une troisième fois au chiotte, et là il voit un mec qui pisse 15 jets. Il lui dit, mais comment ça se fait que tu pisses 15 jets? C'est une blessure de guerre. Et là l'autre lui dit, bon non, j'ai juste la flemme d'ouvrir ma braguette. Ceci est la fin du Fat Show, nous nous retrouvons jeudi prochain, bien évidemment. Et nous nous quittons avec un groupe sacrément belge, une fois, oui, bien sûr, c'est le groupe Acme. Vous les avez reconnus, puisqu'ils ont performé il y a quelques minutes. En tout cas, à la prochaine et prenez soin de vous. Vive la Belgique! Non? Si. Ah bah, excusez-moi, vous avez commencé la musique alors que je disais vive la Belgique. Peut-être quelque chose contre la Belgique? Non, mais il n'y a aucun... Vous avez dit quelque chose contre la Belgique? Ah, si. Commence-toi. Mmh.
laisser le silence compter les ans. Par peur de conjuguer et aimer pour toi, plus ils s'additionnent, plus vite les mots s'effacent. C'est évident pourtant, plus tard je serai là, comme je l'ai toujours été pour toi. Oh non, le temps passe, pardonne-moi, avant qu'il ne soit trop tard. La confrontation si définitive à l'agonie qui constamment m'étouffe au point de si lâchement penser. Baisser les bras, plus tard je serai là, comme je l'ai toujours été pour toi. Je pense. Coupé, bravo. Et il suffira d'une étasse. Et on peut tourner les serviettes. Donne-moi une bonne raison pour pas te tuer. Ça me rappelle quand mon père. Putain, c'est trop bien ça.